qu'est-ce que vous pensez des transports en commun parisiens? Moi, j'habite dans le 18e et le matin, j'ai pas de vélo pour partir. Donc, c'est un peu obligé de prendre le métro. Et votre sœur, elle en pense quoi? Elle est pas d'accord. Je t'attends. Oh non. Ça va? Enfin, moi, on s'est pas croisé. Faut que tu rappelles maman, elle se fait un sang d'encre. Non, mais j'ai pas envie de rentrer, je veux pas y aller. Faut que tu y ailles. Ça fait quand même 12 ans que tu t'es barré. Papa et maman se posent de vraies questions. Il est temps de reprendre les études, de reprendre le chemin. Non, j'ai changé de vie, maintenant je vais avoir les cheveux roses et partir. RATP bus, il y a des très très grosses différences. Au niveau métro, c'est impeccable, ça fonctionne correctement. Alors que les bus, c'est assez difficile. Assez difficile, point de vue, oui, c'est sa ponctualité surtout. Et votre frère, il en pense quoi? Mon frère? J'ai pas de frère. Alors, voilà, les vieux loups de mer, hein? Non, on est fils du Capitaine Igloo. Et de, en fait, d'une des femmes de Tipiak. Je prends plus souvent le métro parce qu'au moins on est sûr d'arriver à l'heure quand on est un peu pressé. Le bus, c'est quand même mieux, il y a moins de monde. Et les gens dans le métro, ils ne sourient pas. Mais dans le bus, par contre, c'est beaucoup plus tranquille. Donc au choix, c'est plutôt le bus. Et votre sœur, elle en pense quoi? Elle n'est pas de sœur. J'ai un frère. Mais on a le même look. Bon, frère. Ça va? Oui, ça va bien. Je m'en ai toquante. 12. C'est une soulette.